tout dans ce Inside CFG, c'est bon 2, 2, 1, Paul Bourrel. Salut Paul, est-ce que tu peux présenter le programme du Inside CFG? Salut, ouais, alors ce soir, entraînement. Pour préparer le match de samedi. Demain matin, 7h, rendez-vous au travail. Enfin non, d'abord rendez-vous chez moi, après on ira au travail pour la livraison de fruits et légumes. Ensuite, on repassera chez moi, je vous montrerai un peu comment je travaille pour Gravenchon aussi, à côté du basket et du travail avec le Presto Bio. Et enfin, une petite séance de sport au squash de Rouen. Et voilà. Samedi, on se retrouvera pour le match contre Laval. Voilà. Find a new hobby cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing up people who never remember the time that they paid. Counted up on my two hands. Bon bah fin d'entraînement du coup Paul, on se retrouve demain matin c'est ça? Ouais c'est ça, demain 7h chez moi. Oh putain pas. Salut Paul. Au début de journée matinale. Ouais, du coup, plutôt matinale, ouais. Où est-ce que tu travailles? Donc là, on va aller sur le mine de Rouen, chez Presto Bio. Okay. C'est à 10 minutes d'ici à peu près, en voiture, vélo. Ok, donc là, tu vas en vélo le matin, là? Ouais. Au maximum quand il fait beau. Là, ce matin, il fait bon. Bon, bah, on te suit parti, et puis ouais. On te rejoint en mine. Yes. Bienvenue dans le frigo pommes, on appelle ça, c'est nous, on a tous les pommes, les poires. Là on est au frigo tout froid, du mine, mais de chez nous. Voilà, et puis après on peut voir si on va un peu plus loin, on a deux frigos. Le frigo salade qui est au milieu, on va y passer juste après. Il fait un peu moins froid que là, et là-bas au bout, au frigo d'hiver, on a un peu tout des légumes et fruits de saison. Tu viens de charger le camion, est-ce que tu peux nous expliquer ton travail maintenant concrètement? Alors concrètement, maintenant on va aller livrer donc, tous les restaurants qui travaillent avec nous. Le but c'est de les servir à temps pour qu'ils puissent préparer qu'ils arrivent à préparer leur service. Donc j'ai chargé, on s'organise pour servir tout le monde à temps. Donc on a des boulangeries, des restos et on a un distributeur pour les écoles. Et donc on va essayer d'être à l'heure pour chacun d'entre eux, tout en respectant les limitations bien sûr. Dernière livraison de la journée du coup. Ouais, dernière livraison et après ça se termine. Là il est midi, on va terminer à 30. Ça se fait vite. T'as fait ton petit tour de Rouen, t'es passé par où? Rouen et l'aglo? Ouais, Rouen, l'aglo, et puis là on est sorti un peu de l'aglo là. Enfin, on est à l'extrémité de l'aglo à Rouen je crois. On est à 15 minutes de Rouen là. Ok. Donc retour à Presto Bio, aux mines, ouais. Petite interview après du chef, boss, ouais. Chef, Alfred, préfet, ouais. Et puis après du coup on va chez toi pour la suite de la journée. Exactement. Salut, Alfred Pontrué, ancien basketteur, 34 ans, plus connu sous le nom de Pompon je pense. Est-ce que tu peux présenter ta société?
Ouais, Presto Bio, donc on est grossiste en fruits et légumes, donc pour faire court, on achète chez les producteurs normands, français, italiens, et on revend au magasin bio, on revend aux cantines, aux petits primeurs. Ça fait depuis 2009 qu'on a créé ça à deux, aujourd'hui on est une quinzaine sur Rouen, et on a ouvert la petite sœur à Caen il y a un an. Très bien. T'as une relation un petit peu particulière avec Paul, du fait que t'as joué avec lui un peu au basket? Ouais, carrément, Paul c'est un bon pote, il est arrivé des PTT, c'était un gamin, et il était nul, vraiment nul. Aujourd'hui il est un petit peu meilleur. non, c'était cool, ouais, je l'ai vu progresser, aujourd'hui le voir jouer en N2 c'est trop cool. Et puis en plus on était assez souvent comparés, donc c'est cool de voir qu'aujourd'hui il a vraiment performé. Et est-ce que t'as un petit mot sur Paul au travail? Très bien, c'est pas facile de travailler avec des amis, j'ai essayé l'année dernière avec Félix Michel, ça s'est bien passé, donc on a voulu réitérer ça avec Polo. Sur un poste de livraison, c'est cool parce que Paul il est autonome, il se gère, il n'y a pas besoin d'intervenir, donc ça c'est vraiment bien. Bon ben on va pas plus te déranger et puis on va te laisser retourner travailler et puis j'espère à demain. À demain, à demain. Salut les gars. Bon, retour à la maison du coup, ouais. Maintenant, donc repas, c'est ça? C'est ça. Okay. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Là, ça va être pâtes avec une crème parmesan, une tomate, je pense du tofu. Ouais. Okay. Et c'est quoi la spécificité de ton régime alimentaire? La spécificité de mon régime alimentaire, c'est que je suis végétarien. Ça fait un an maintenant que je mange plus de viande, plus de poisson, un vivant. Voilà. Okay. Et pourquoi du coup? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pour plein de raisons, d'abord écologique. Ensuite, pour ma santé personnelle, et puis pour les animaux, enfin plein de raisons, voilà. Okay. Donc du coup, repas avant de te plonger donc, dans un second travail, les missions que tu peux avoir pour le club. C'est ça, ouais, donc pour le club, on fait un peu de... Enfin, je fais un peu d'analyse de données. Donc en fait, on regarde un peu l'efficacité de nos attaques, de nos systèmes, et voir la rentabilité qu'elles apportent, quoi, pour essayer d'optimiser tout ça et être le plus performant possible. Okay. Est-ce que tu as fait des études là-dedans? C'est ça, j'ai un master en analyse de données qui me sert à être livreur aujourd'hui et analyste pour le club. Voilà. Ok, très bien, on va te laisser cuisiner, ouais, du coup, et puis on va te laisser manger. On se retrouve juste après? Ouais. Bon, du coup, on se retrouve après le repas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais précisément sur ce logiciel? Sur ce logiciel, en fait, j'en ai plusieurs. J'en ai un premier qui me permet de regarder le match et de dire ce qui se passe. Je sais pas, si par exemple on a joué tel ou tel système, je le note. Ensuite, je dis si on a marqué, pas marqué, qui a utilisé ce système, pour qui il a été fait. Ensuite, toutes ces données-là sont répertoriées dans un fichier Excel, et puis après ça, je l'analyse avec un autre logiciel qui me permet de sortir des graphiques, etc. Pour que ce soit lisible pour tout le monde, facilement. Ok, donc ça permet d'avoir des analyses de données assez précises, c'est ça. Ok, très bien. Bon, du coup, fin de journée, maintenant, ouais. Tu viens de terminer de travailler, donc c'est quoi la suite du programme, là? La suite du programme, c'est d'aller retrouver un copain pour faire un petit défouler un peu, faire un peu de squash. J'ai besoin de ça pour clôturer ma journée. Du coup on se retrouve au squash. Est-ce que vous faites souvent du squash avec vos potes? Ouais, on essaie une fois par semaine à peu près, quand on peut, quand tout le monde est dispo. Ouais. On essaie le vendredi souvent. Ok, c'est qui le meilleur? C'est pas une question à poser ça. Ça, on connaît tous la réponse. C'est toi, évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais il y en a à Garanchon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui font du squash, Ludo. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez prendre un cours. Je suis disponible. Très bien. Vas-y, on va voir ce matin alors du coup. Allez, c'est parti. J'ai annoncé, c'est fini pour toi. Oh, bien joué, elle est belle. Fin de journée, maintenant on va se reposer et se donner rendez-vous demain pour le match de Laval. Ouais, c'est ça. Moi je travaille demain matin encore, mais jusqu'à demain matin c'est repos, demain après-midi repos, et comme ça on sera en forme pour le match de Laval. Ok, très bien, bah, à demain alors. À demain.
Salut Paul, on se retrouve du coup dans la voiture en direct pour aller à Grabenchon. C'est ça. Donc c'était rendez-vous 18h pour partir, récupérer les gars, faire du covoiturage. Et puis rendez-vous 19h à la salle et début du match à 20h, c'est bien ça? C'est bien ça, donc là dans 45 minutes on doit y être. Eh bien. Bon bah on te laisse tranquille au volant et puis on se retrouve directement à la salle. Ouais, à tout. Fin du match du coup, fin du match de Laval, est-ce que tu as un petit mot sur la rencontre? Un petit mot, c'était compliqué, je pense que tous ceux qui étaient là l'ont vu. Maintenant c'est à nous de réagir, de montrer une plus belle image d'équipe sur les prochains matchs, que ce soit dans l'intensité, dans la cohésion. Bah déjà, merci à tous ceux qui nous supportent, les bénévoles, les supporters. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux à chaque match, faire autant de bruit pour nous, pour nous supporter. Et puis, bah, on espère vous voir aussi nombreux, voire plus, sur les prochains matchs. Salut Paul, est-ce que tu veux présenter le programme de Inside? Salut, ouais, juste avant tu pourras mettre un filtre couleur, parce que j'ai vu tout à l'heure, je suis un peu fatigué, je suis un peu pâle, tu pourras couper parce que. Enfin pas couper mais mettre un filtre parce que là c'est tight. Quand tu veux. Bonjour et bienvenue à tous dans ce Inside CSG, épisode 1, saison 2. Quand tu veux. Bonjour à tous. Ah vas-y, c'est bon, attends. Bonjour et bienvenue à tous. Quand tu veux. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Inside. Oh!